Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo informative sur Fortnite. Donc déjà, je tenais à remercier à tous ceux qui mettent mon code créateur dans la boutique de Fortnite. On monte petit à petit. Donc là, on était... là, je sais plus, on est à peu près à 100... un peu plus de 100 personnes qui mettent mon code créateur. Donc merci beaucoup, la famille. Continuez à le bombarder. Et pour ceux que... Parce qu'en fait, des fois, je le partage sur ma chaîne principale. Et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, pourquoi on le mettrait alors que tu fais pas de vidéo Fortnite? Si je fais des vidéos Fortnite tous les jours, la preuve, vous m'écoutez là. Je fais des vidéos tous les jours sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez surtout pas à me soutenir en mettant mon code créateur dans la boutique Fortnite. Et sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas tergiverser, je vais vous parler directement du nouveau teaser de la saison 9. Alors vous rappelez-vous, on avait eu le N et le E, et justement, moi je disais que ça allait être W pour dire new, mais en fait on a eu un O, donc on voit qu'il y a un O, et en fait on a le skin black un peu là, mais avec une sorte de carte sur son manche, et on pourrait se dire que c'est peut-être un indice pour se dire qu'en fait la map de Fortnite va changer demain à la saison 9. Ça, je pense que c'est vraiment un gros indice. Moi, je suis sûr à 100% de toute façon que demain, on aura Retail et Tilted Tower en version futuriste et que la map va changer sur Fortnite. Rappelez-vous de ça, on se donnera de rendez-vous demain, on verra ça. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en rassemblant tous les teasers, ça nous donne Neo. Et en fait, Neo, en grec, ça veut dire nouveau. En gros, je pense vraiment que la map de Fortnite va changer du tout au tout à partir de demain. De toute façon, activez la cloche et abonnez-vous. Demain, je serai pas en live parce que tout le monde est en live. Pour les nouvelles saisons, je vais essayer de me démarquer. Et au lieu d'être en live comme tout le monde et de monopoliser le canal de YouTube en faisant que des lives et en vous surchargeant justement, parce que en allant de live en live le jour d'une nouvelle saison sur Fortnite, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que tout le monde est là, oh 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 oh, il y a des nouveaux trucs, etc. Au final, on fait tous la même chose. Moi, ce que je fais demain, c'est que je ne serai pas en live. Par contre, je serai sur mon PC toute la journée. Je vais vous proposer des vidéos sur toute la nouvelle saison. Donc déjà, la première vidéo que je sortirai, ce sera justement la découverte du pass de combat. Deuxième vidéo dans la journée, ce sera les nouveautés de la map sur Fortnite. Troisième vidéo de la journée, ce sera les nouveautés qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu et qui arriveront prochainement. Voilà, au moins vous aurez des vidéos où vous savez à l'avance ce qu'il y a dedans. Et au moins, voilà, il n'y aura pas un live où je ferai le mec étonné comme tout le monde et je découvrirai la saison, etc., etc. Tout le monde fera ça et puis voilà. Bref. Voilà, donc moi je pense vraiment que la saison 9 va être un gros changement par rapport à la map de Fortnite. Et voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi si vous êtes chaud demain pour la saison 9, dites-moi si vous allez jouer demain, dites-moi si vous aurez le temps, dites-moi aussi si vous allez acheter le pass de combat, voilà, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui ne l'achètent pas, il y en a qui l'achètent. De toute façon, je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, où je vous ferai découvrir le pass de combat et vous me direz après s'il vous plaît, est-ce que vous l'achetez ou pas. Voilà, bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, nous on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. La vie de rêve, non, on l'a jamais eu. Je me suis barré d'ici pour me casser dans l'inconnu. J'ai la vue sur l'immense, c'était l'univers. J'ai traversé Orient, la ceinture de Kuiper.